Il invite les enfants des rues à danser sur les trottoirs de N'Djamena, la capitale du Tchad. Alevan Davogodjou, des danseurs professionnels, et s'est fixé pour objectif d'aider ces jeunes abandonnés, souvent orphelins, maltraités ou bien rejetés par leur famille, faute de moyens. Quand on danse, on oublie tous nos soucis. On ne pense qu'à bouger ensemble. C'est ce sourire, c'est cette joie qui déclenche vraiment quelque chose envers ces enfants. Et on le fait danser pour gagner leur confiance, à ce que ces enfants puissent se confier à nous et qu'ils puissent nous dire tout. Pourquoi? Pour quelles raisons? Pourquoi ils sont dans la rue? Dans la ville, plus de 3000 enfants seraient livrés à eux-mêmes. Le danseur a créé l'association Dakuna Espoir pour les identifier et les prendre en charge. Mon grand, ça fait combien de temps que tu es dans la rue? Depuis que j'ai 10 ans. Donc ça fait 2 ans maintenant. Je mendie et j'essaie de récupérer les restes des restaurants. Et souvent, je dors ici, à même le sol. Au Tchad, plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. À la maison, mes parents n'ont rien et se disputent tous les jours. Ils ne me donnent rien et n'arrivent pas à m'inscrire à l'école. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans la rue ici à N'Djamena. Alors, pour réintégrer ces enfants dans la société, Alevan Davogodjou a ouvert ce centre d'accueil. Ici, 60 jeunes âgés de 6 à 20 ans sont nourris et logés jusqu'à un an, le temps de reprendre pied. Tous les jours, il leur apprend à danser le coupé décalé, le hip-hop ou le ndombolo. Le chorégraphe tchadien avait commencé à faire carrière à Paris et à New York. Mais il a fait le choix de rentrer à N'Djamena pour changer la vie de ses enfants à travers la danse. Lui aussi a passé une partie de sa jeunesse dans la rue. Rodrigue, écris. Écris pour toi ici. Grâce à l'association, les enfants accèdent à des cours pour la première fois le plus souvent. Ils apprennent à lire et à écrire. Consonne. Le centre est financé en partie par l'UNESCO et des mécènes. Il propose aussi des formations professionnelles gratuites. Abdel Mousset en a bénéficié et est devenu couturier. Orphelin depuis une attaque du groupe terroriste Boko Haram dans son village, il a passé 3 ans dans la rue. Aujourd'hui, j'ai ma machine, j'ai loué déjà une chambre, je suis déjà un homme. Depuis la création du centre, 600 enfants ont regagné leur famille ou sont devenus indépendants financièrement. La danse a été le déclic pour sortir de la rue. La danse m'a apporté faire confiance à mes amis. Parce que quand tu danses, il faut faire confiance à ton ami. Comment il fait le pas et puis il t'apprend aussi. Vraiment, même si je ne te connais pas, je vais te faire confiance. Parce que c'est la danse qui m'a appris ça. En dansant, ces enfants retrouvent le sourire et la confiance en eux. La condition nécessaire pour trouver leur place dans la société.